Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous commenter une assez belle partie, c'est-à-dire une tentative nuke au space 12 en démolition pendant la durée d'une seule manche. Enfin, là vous allez voir, je suis rentré dans une partie, je fais un seul kill pendant la deuxième manche de la partie. Donc je vais surtout jouer pendant la dernière manche et je vais tenter la nuque en la durée d'une seule manche. Donc je joue sur P, je vais me présenter puisque je vais envoyer ce gameplay à Code QG, Code CF, PC Family, Le Bon Plan du Geek et Community Computer. Donc 5 grandes chaînes communautaires dont 2 communautés PC puisque je suis un joueur PC. Donc je vais me présenter pour toutes ces chaînes puisque j'espère qu'ils vont m'upload puisque j'ai beaucoup de sujets. Donc je m'appelle Alexis, j'ai 14 ans, bientôt 15. Je suis youtubeur depuis un an, ouais, j'ai fait du contenu Minecraft, MW2, Modern Warfare 3 et Black Ops. J'ai fait des vidéos fun, j'ai fait différentes petits des edits, j'ai fait différents petits trucs. Et donc je suis sur PC. Alors, mon sujet de commentary, pourquoi je l'ai envoyé, j'envoie cette vidéo à ces grandes chaînes, bah, c'est tout simplement parce que je trouve que la PC... communauté PC est trop délaissée par rapport à PS3 et Xbox. Donc je vais vous étendre ce sujet pendant à peu près 5 minutes de gameplay. Donc je vais devoir me dépêcher. Alors tout d'abord, la communauté PC, comme vous pouvez le voir sur les grandes chaînes communautaires tel Code QG ou Code CF surtout, la communauté PC est quand même assez délaissée puisque vraiment beaucoup de clips sont sur Xbox et PS3. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, peut-être que la communauté PC comme filmé avec Fraps ou DXStory qui a été présenté sur la PCF, c'est peut-être difficile, il faut avoir un bon PC quand même. Moi j'ai un bon PC, donc voilà. Et donc la communauté PC est délaissée dans ce cas, et aussi elle est délaissée car comment dire, car les packs maps, là je vais surtout citer les packs maps Modern Warfare 3, ont été livrés sur PC plus d'un mois et demi après ceux de la PS3 et de la Xbox. Déjà entre Xbox et PS3, je trouve qu'il y a des décalages. Alors entre PC et les consoles, il y a vraiment un gros décalage. C'est comme les nouveaux modes. Les nouveaux modes, personnellement, sur PC, nous les avons eu un mois et demi après la Xbox. Je ne comprends pas. Le mode infecté, nous on l'a attendu bien bien longtemps. Après, sur PS3 et sur Xbox, vous avez toutes les touches dans les mains. C'est-à-dire à peu près 12 touches. Je ne sais plus du tout combien il y a de touches. Alors que nous, c'est tout sur un clavier et une souris, donc assez éloigné, donc dur. Et comme je vous ai dit, bah, il y a l'aide à la visée sur PS3 et Xbox. Contrairement au PC, nous avons aucune aide à la visée. Après, il y a en ESL, il y a un truc qui s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle. Oh, je sais plus, ça affiche les carrés rouges. C'est pas un wallhack, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle. Et ça aide à viser, mais moi je sais pas, moi je m'en sers pas. Je m'en étais servi avant pour un USL. C'est pas un hack, c'est considéré comme normal. Mais voilà, moi je trouve c'est de la triche. De toute façon, je serai qu'en live, donc avoir des Montari avec des carrés rouges, donc ça me plaît pas. Donc je voulais parler aussi de la PCF un peu, puisque créé par Amazic, un joueur PC, qui semble avoir fait un bel impact pour la communauté PC auprès de vous, la communauté PS3 et Xbox. Donc communauté console. Donc je les remercie pour ce qu'ils font, ça fait vraiment plaisir. C'est comme Community Computer qui vient de se mettre. Ça fait vraiment plaisir que vous fassiez des chaînes communautaires PC. Ça nous fait un peu sortir du trou, comme je pourrais le dire. Donc grosse dédicace à eux. Là vous pouvez voir qu'il manque pas beaucoup de kills à faire pour obtenir ma nuque. Là j'obtiens un kill. Et donc je tiens à remercier vraiment mes 414 il me semble abonnés lorsque je commande cette vidéo. Donc parce que vraiment vous me faites vraiment très plaisir en commentant tous mes gameplays et tout. Vous m'apportez du grand bonheur. Et donc je remercie toutes les grandes chaînes que dont j'ai mis l'intro et loot et le petit emblème en haut à droite de m'upload sur leur chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour un autre commentary ou une autre partie fun ou voilà quoi. Une belle vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à passer un tour sur ma chaîne et à vous abonner si tout ça vous plaît. Allez, merci tout le monde. À la prochaine.